Vous savez, si un jour j'étais nommée curé de paroisse, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas pour le sacerdoce des femmes, hein, mais disons que voilà. Supposons que je sois un homme et que je sois nommée jeune curé de paroisse. La première chose que je ferais, c'est que je ferais une grande bannière que je mettrais sur la façade de mon église. Et sur cette bannière, j'écrirais « On demande des pêcheurs ». Ou si vous voulez, « Pêcheurs wanted ». Pourquoi ? Parce que ça me ferait mal au cœur de voir deux personnes qui souffrent. La première personne qui souffre, c'est le Christ. Le Christ qui a les bras ouverts pour tous les pêcheurs que nous sommes. Et il attend. Et il a des trésors à nous donner. Il a son sang à faire couler sur notre âme pour nous laver. Il a un amour fou et il trouve une porte fermée. Et il souffre de ne pas donner ses trésors. Et l'autre personne qui souffre, c'est toi, moi, un tel, des pêcheurs. Des pêcheurs qui ont oublié le chemin de la miséricorde et qui continuent à pêcher et qui ne savent pas qu'ils sont attendus par un sauveur. Et ce pêcheur-là, lambda, eh bien, il souffre parce que, comme dit saint Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, à chaque péché non confessé, non remis, eh bien, ça fait une petite dose de mort qu'on s'injecte. Et à force d'injecter des petites doses de mort, petites ou grandes, ou énormes, eh bien, on devient agressif, mauvais, triste et dépressif. Donc, il va falloir recoller les deux. Parce que le recollage va faire qu'on va, consoler Jésus de sa souffrance et on va consoler le pécheur de son sentiment de mort. Alors, je vais vous donner un exemple, tout simplement. C'est le bon larron sur la croix. Lui, qu'est-ce qu'il n'avait pas fait pour être avec Jésus, cloué sur une croix, à souffrir atrocement? Parce qu'une mort sur la croix, ça n'est agréable pour personne. Il avait volé, violé, tué, il avait fait les 400 coups, et finalement il s'était fait attraper, voilà. Donc il souffrait atrocement. Et c'était donc le pécheur qui souffre des conséquences de son péché. Et Jésus souffrait sur la croix aussi. Il souffrait d'être en train de livrer son sang pour les pécheurs, et il souffrait de voir des portes fermées. Et qu'est-ce qu'il voit à sa gauche? Un homme, un pécheur, pour lesquels il est venu, parce que tous les pécheurs, on est tous sur la liste de Jésus, il est venu pour nous. Un pécheur qui se tourne vers lui, enfin, enfin. Et il entend, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Waouh, il saisit l'occasion, il est en train justement de se donner, de mourir pour les pécheurs. Et voilà qui vient à lui, premier fruit, justement à ce moment-là, quelques minutes peut-être avant sa mort, un pêcheur qui revient. Voilà, sa pêche a ramené un poisson. Il est trop content. Il est tellement content que qu'est-ce qu'il lui dit? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire qu'on a mal de notre péché. On en a même marre du péché. Le péché apporte tristesse, déception, goût de mort, goût de vide, amertume, tristesse, voilà. En tout cas, c'est ni la paix, ni la joie, ni l'espérance. Vous avez remarqué que quand les confessionnaux se sont vidés dans les églises, certains ont même disparu des églises, c'est pas très malin, eh bien, plus les confessionnaux se sont vidés, plus les salles d'attente des psychiatres se sont remplies. Le coup du vase communicant, c'est clair. Parce que le péché nous rend malade. Mais la Vierge nous dit, donnez à Dieu tous les péchés que vous avez commis dans votre passé. Donnez à Dieu tout le mal que vous avez accumulé dans vos cœurs. Et ainsi, chers enfants, vous aurez le cœur libre. Et la Vierge nous invite à la confession, aller chercher un prêtre pour vous libérer du péché, vous libérer de ce qui vous pèse. Parce que le péché nous rend morveux. Il faut bien le dire, parce qu'instinctivement, on sait bien tout au fond que le péché ne porte pas la joie. Alors l'invitation ma bannière, là, ça serait de dire, allez, revenez vers le Père. Jésus veut nous ramener vers le Père. Et regardez dans l'histoire de l'enfant prodigue,
L'enfant prodigue, il avait gardé les porcs pendant des jours, des nuits, des semaines. Il sentait très mauvais. Hein. Il n'avait pas pris sa douche. Hein. Ses haillons étaient pleins de tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. Il avait fait la route, la transpiration en plus de tout ça. C'était quand même ni la joie et ni la fierté. Il se sentait morveux. Hein. Et qu'est-ce qu'a fait le père ? Il est venu de loin, il a couru à la rencontre de son fils. Il l'a embrassé avec une tendresse infinie. Il lui a tout donné, l'anneau, les chaussures, le manteau, la fête, le veau gras, les chansons, les danses, les musiques, tout ça. Les serviteurs qui sont mis aux petits soins, les petits plats dans les grands, tout ça. Le paquet de l'amour tendre, de l'amour qui ne regarde pas le péché, qui regarde le pécheur, qui regarde le cœur du pécheur, qui est malheureux. Et tu es malheureux à cause de ton péché. Reviens vers le Père. Il suffit de dire, voilà mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Maintenant je reviens. J'ai compris que ce n'était pas la bonne voie. Je reviens vers toi. Accueille-moi, accueille-moi. Je reviens dans tes bras. Les bras sont grands ouverts. Mettez-vous dans les bras du Père. Et pour cela, il suffit d'aller voir un prêtre en qui se cache le Seigneur Jésus. Et il va vous écouter. Il va vous aider. Il va vous aider à panser vos blessures. Il va vous aider aussi dans les conséquences de ce que vous avez pu faire. Revenez vers le Père, revenez vers Jésus, il vous attend et il a de grands cadeaux à vous donner. Des cadeaux inimaginables que vous ne pouvez pas soupçonner maintenant. Et le premier cadeau, le plus grand cadeau, le plus appréciable qu'on ne peut pas acheter dans les magasins, c'est la paix du cœur. Allez la chercher, elle vous attend. Père de miséricorde, je te remercie parce que tu as tant, tant, tant aimé le monde que tu as donné ton Fils, ton unique, ton bien-aimé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait par lui la vie éternelle. Comment te remercier, Père, de nous avoir donné ton bien-aimé, ton Fils, et d'avoir permis qu'il donne sa vie pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec toi. Aussi, Père, maintenant, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont enfermés, bloqués dans le péché, enserrés dans des situations pécamineuses qui les tuent. À petit feu de l'intérieur. Ô Père, merci d'ouvrir les bras encore aujourd'hui. Merci de nous donner ton Fils Jésus encore aujourd'hui pour nous inviter. Toi dont le regard transperce les zones obscures de notre être pour retrouver l'essence de notre âme qui est toujours belle parce que nous avons été créés à ton image et ta ressemblance. Et tu nous aimes infiniment comme nous sommes beaux devant toi, ô Père. Aussi, je te prie d'accueillir dans tes bras maintenant tous mes frères et sœurs qui m'écoutent et qui peut-être se sentent tellement honteux, tellement cassés par le péché, tellement brisés par leur passé, qu'ils n'osent pas venir vers toi, qu'ils ont peur de se sentir jugés, rejetés, regardés de travers. Oh non ! Ton regard est un regard d'infini amour, d'infini tendresse, d'infini miséricorde, Seigneur. Alors, donne-leur le courage, Seigneur, de dire avec tout leur cœur, peut-être dans les larmes, mais avec sincérité, « Ô Père, me voici, accueille-moi comme je suis, avec toutes mes galères, mes crasses, mes ombres, mes ténèbres, mes horreurs, mais en même temps ma bonne volonté de m'en sortir. » Merci de m'accueillir, Père. Je crois dans ta miséricorde. Je crois que tu m'accueilles comme je suis. Je crois que tu m'aimes comme je suis. Mais tu m'aimes trop pour me laisser comme je suis. Et tu veux me rendre comme je pourrais être. Lavé, libéré, guéri, ressuscité. Merci, Père. Je viens à toi. Et à la première occasion, je vais trouver un de tes prêtres
pour recevoir le sacrement du sang, le sang du Christ, le sang du Christ qui va me laver et faire de moi un autre homme, une autre femme, dans la confession. Merci Père, parce que aussi pour moi, tu as envoyé ton Fils. Et je ne vais pas le laisser passer en l'ignorant. Je vais saisir l'occasion. Merci Père, je viens à toi maintenant. Merci pour ton infinie miséricorde.